Coucou tout le monde et bienvenue à Green Creek. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. On va pas faire de construction aujourd'hui, mais on va partir faire une petite chasse à l'habitant. J'ai fait une petite liste des habitants que j'aimerais bien trouver sur une île mystère. Donc, il y a Bébert, Biquette, Cookie, Jeff, Mathéo, Nadège, Ralph, Régis et Violette. Il y a Mehdi aussi, mais Mehdi, il est déjà présent sur mon île. Donc, lui, il va rester, c'est sûr. Mais donc, ça veut dire que les autres, malheureusement, ils vont certainement partir. Alors, j'ai pris une trentaine de tickets. On va croiser les doigts, espérant que c'est suffisant. C'est parti pour la première île. Un petit oiseau pour commencer. Il me semble de loin que c'est Jackie. Oui, c'est Jackie. Alors, il est tout mignon avec son bonnet vert, mais non. Je vais pas le prendre. Je pense pas qu'il y aura de petits oiseaux sur Green Creek. Deuxième île, Barry. Non. Oh, c'est Tutu. Un Tutu, elle est trop mignonne, mais non plus, c'est un ours. Et les ours, ils sont... Je suis pas très très fan. En plus, elle est plus grande que moi, donc c'est mort. Wolfram. Pas de petite poule non plus. Bon alors, les éléphants non plus. Axel, il est mignon, mais non. Oh, c'est Bichoun. Oh, pour ceux qui ont vu mes autres vidéos, vous savez qu'elle est déjà sur Isla Sorna. C'est vraiment un de mes personnages préférés. En plus, elle correspond trop trop bien à un style forêt, campagne. Sa maison, elle est parfaite pour ça. Elle est vraiment trop chou. Oh, j'hésite beaucoup beaucoup à la prendre. Mais... Bon, ça me brise le cœur, mais... Au pire, j'ai sa carte Amiibo. Je pourrais la faire revenir. Mais on va se... On va tenter notre chance sur une autre île. Alors... Marvin. Non plus, les poulpes, pas vraiment mon truc. En plus, avec sa petite paille qui sort de la tête. Non. Oh, Ethan, le petit pingouin, il est trop mignon lui aussi. Mais non. Un petit cochon. Le seul petit cochon que j'ai eu sur une île, c'est Camille. Et c'est celle que je trouvais la plus mignonne. Alors, nouvelle île. C'est Hercule. Non, mais j'ai réussi à m'en débarrasser la première fois. Je trouve ça un peu dommage que les personnages, quand on les retrouve sur une île mystère et qu'ils étaient sur notre île, qu'ils se souviennent pas de nous. C'est un peu triste. Oh, Marito. De loin, je pensais que c'était Jeff, mais non. Et Marito, il a une maison un peu trop dans le style japonais pour que ça matche à Green Creek. Sinon, il est très mignon aussi. Alors ça, je crois que c'est Matsy. Mais pareil, les kangourous, c'est mort aussi. Alors ça, c'est Grognon. Et franchement, jusqu'à présent... On n'a pas eu trop de chance hein, sur les personnages. Alors, un petit koala. Qui c'est? Calyptus. Un calyptus, il est mignon, mais non. Ça ira pas sur Green Creek, même si sa couleur, hein, elle est parfaite.
la petite échelle, on y va, on continue. Alors, oh non, deux fois. Oh, c'est super embêtant quand ça arrive, ça. On a vraiment l'impression d'utiliser des tickets pour rien après. Un petit loup. Oh, je crois que c'est chef. Oh, il est trop chouchou lui aussi. Hein. Il est vraiment mignon, mais non. De loin, les petites oreilles de souris. Qui es-tu ? Annie, elle est mignonne, mais je suis pas très fan non plus des petites souris comme ça. Encore un éléphant. Non, je crois que de loin c'est Héloïse. Je suis pas sûre, mais non. Alors, je crois que là aussi, c'est Kitty. Voyons voir. Coucou. Ouais, c'est Kitty. Elle est super mignonne aussi. Mais je sais pas, le rose au-dessus de ses yeux, ça fait un peu particulier. Bon, 11 tickets. On a encore un peu de... On a encore de quoi chercher. Petite Alice, trop mignonne. Enfin, elle est super minou, mais je trouve qu'elle a une bouche un peu bizarre. Non, pas Alice. Non plus. Certainement pas Candy. Petit hamster. Ah oui, c'est Emma. Elle est trop mignonne, Emma. Je l'ai eue sur une ancienne île et elle est vraiment trop choupette. Je crois que on va la prendre. Elle est trop mignonne. Maintenant, on a 8 tickets. Maintenant, ouais, on va la prendre et puis on se fera certainement, plus que certainement, d'autres petites chasses à l'habitant. Étant donné que j'ai que Mehdi sur mon île et qu'il n'y a que lui qui est dans ma petite wishlist. Et voilà, petite Emma à la maison. Il n'y a plus qu'à. Ouais, sa maison, elle donne bien. Sa maison, elle est un peu comme celle de Mathéo. Elle se ressemble beaucoup. On va aller lui faire un petit coucou. Elle est vraiment minouche. On dirait un tout petit machin. Non, ça va aller, elle est trop chou. Et bien voilà, pendant que Emma est en train de défaire ses petits cartons, nous on va se quitter ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage vous auriez choisi, quel était votre préféré dans tous ceux qu'on a croisés. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker et à partager ma petite vidéo. Et en attendant qu'on se retrouve, je vous fais des bisous.